Jour 1 de ma ménopause, quoi en penser? Connaissez-vous la date de votre ménopause? Connaissez-vous les 3 stades de ménopause? Est-ce que c'est un moment important? Est-ce que ça l'a été un moment important pour vous si vous l'avez vécu? Et si vous ne l'avez pas vécu, est-ce que ça en va en être un? Est-ce que vous l'avez noté vous aussi pour l'anticiper? Et est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre tête, ça? La ménopause comme telle, autre qu'en symptômes et parfois en bien des désagréments. Donc aujourd'hui, je vous parle des 3 stades de ménopause. Je vais vous parler des moyennes d'âge, des durées. Je vais vous partager également ma réflexion à moi quant à mon jour 1 de ma ménopause. Premièrement, je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en santé et bien-être et j'ai créé cette femme-là. Cette chaîne-là qui est destinée, oui, aux femmes de 40, 55, 60 ans qui, comme moi, vivent plein de bouleversements à ces âges-là. J'ai été coach longtemps en perte de poids. Donc, si vous avez besoin de conseils santé, beauté pour perdre du poids, pour maintenir votre poids, des conseils pour vous sentir en santé et belle encore longtemps, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à activer la petite cloche pour recevoir, oui, une notification de mes vidéos. Je sors une vidéo à peu près une fois aux 2 semaines. Donc oui, jour 1 de ma ménopause, comment je me sens? Ben, je vais vous en parler, restez avec moi là, jusqu'au bout. Parce que, oui, il y a 3 stades de ménopause. Le premier stade, on parle de périménopause. On parlait plus avant de préménopause. Maintenant, on parle de périménopause un peu plus. Hein? La périménopause débute lorsque nos règles commencent à être irrégulières, hein? Lorsque survient des symptômes également de périménopause. Ça commence, la moyenne d'âge est de 47 à 48 ans. Ça durait en moyenne 4 à 5 ans, mais ça peut durer jusqu'à 8 ans. Pour ma part, là, ça a commencé autour de 44, 45 ans. 70 à 85 % des femmes vivent des symptômes de périménopause. La ménopause, elle débuterait lorsqu'il y a absence de règles comme telle. Pour se terminer, hein, c'est un peu difficile à comprendre, mais pour se terminer une année après la fin de nos règles. Donc, mon titre aurait très bien pu être « Jour 1 de ma post-ménopause », puisque à partir du moment que ça fait un an qu'on n'a pas eu nos règles, automatiquement, à ce moment-là, officiellement, je ne dirais pas automatiquement, mais officiellement, on serait normalement en ménopause. La ménopause, oui, la moyenne d'âge est de 45 à 55 ans. La moyenne canadienne est à 51 ans et la moyenne québécoise est à 51,5 ans. La ménopause, là, ça dure un an, hein, pour ainsi dire. De 4 femmes sur 10 sont ménopausées à 50 ans et 9 femmes sur 10 le sont à 55 ans. Avant 40 ans, oui, la ménopause serait dite prématurée. Avant 45, elle serait dite précoce et après 55, elle serait dite tardive. Comme je vous dis, la post-ménopause commence après l'année et elle se déroule là jusque tout au long là, du reste de notre vie. Les symptômes peuvent encore durer 4 à 5 ans, mais pour certaines femmes, là, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Donc, je vous dirais que pour ma part, je suis pas mal dans la moyenne d'âge. Ce que j'ai fait, la première chose le matin quand je me suis levée, après ma petite routine, là, j'ai regardé mon chum puis je lui ai dit « Penses-tu qu'on devrait souligner ça ou fêter ça? » Je suis aujourd'hui officiellement ménopausée. Donc, jour 1 hein, de ma ménopause. Et là, il m'a regardé, il trouvait que c'était un peu de bonheur pour poser la question. Et comme les 3 derniers mois avaient été plutôt un peu heavy metal, là, en bouffée de chaleur et en irritabilité. Il m'a dit, ben là, je sais pas trop, là, c'est-tu le début de la fin ou la fin du début? Il était pas mal embêté, puis il avait l'air pas mal partagé dans ce qu'il ressentait par rapport à la ménopause comme telle de sa femme. Pour être bien honnête avec vous, moi, il me semble que les femmes ménopausées, quand j'étais plus jeune, là, c'était des vieilles madames ou des femmes vieilles. Et aujourd'hui, bien, naturellement, je peux pas dire ça parce que vraiment, je me sens absolument pas vieille. Et on fête le début des règles chez les jeunes filles. Puis, je trouve qu'on ne parle pas de la ménopause. J'ai jamais vu ça, une amie à moi qui me dit, ben aujourd'hui, ça a l'air que je suis ménopausée officiellement, parce que la définition, c'est qu'il faut un an d'absence de règles pour être ménopausée. Et la ménopause se terminerait à la fin de cette année-là
pour débuter après la post-ménopause. Donc, mon titre aurait pu très bien être jour 1 de ma post-ménopause, hein, qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr que ma réflexion, moi, je trouve que c'est une étape importante. Est-ce qu'il devrait y avoir un bilan? Moi, je vous dirais que oui. Parce que la ménopause, c'est quand même quelque chose, hein? C'est la fin des règles. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se casser la tête quand on fait un voyage pour savoir on tombe-tu dans les règles, on tombe-tu pas. Moi, ça faisait quand même un an, là, je le savais, ma dernière date de l'année passée. Et je vous dirais, à tous les mois, je me disais, ben j'approche. Et sincèrement, à part mes cheveux blancs qui poussent et la peau naturellement qui vieillit, qui est moins ferme, sincèrement, dans mon cœur, je le sens pas. C'est sûr que si j'étais pas en forme, si j'étais pas, hein, je vous ai fait une vidéo sur mes 15 conseils pour être au top en 2024 et je vous dirais, j'ai bien l'intention en 2024 d'essayer d'appliquer quelques-uns de ces conseils-là et j'ai déjà commencé d'ailleurs et peut-être que c'est à cause de ça que je me sens aussi bien. Je vous le demande, j'aimerais ça en commentaire que vous me disiez, vous, est-ce que vous avez traversé cette étape-là, cette première journée-là, et comment vous vous sentez? Est-ce que cette étape-là est associée aussi aux objectifs de vie qu'on avait? Bon, est-ce que vous aviez le goût d'avoir une famille, des enfants, la grosse job, beaucoup d'argent, être en santé, vous sentir belle? C'était quoi vos objectifs? Et lorsqu'on a atteint la plupart de ces objectifs-là, est-ce que le stade de cette ménopause, post-ménopause-là, on le traverse mieux? Ou ça n'a rien à voir avec ce qu'on voulait dans notre vie, c'est plutôt davantage relié à notre santé, à comment on se sent, ou si notre santé justement est bonne. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit peut-être pas meilleure, mais en tout cas qu'elle continue à être bonne? Est-ce que c'est une étape aussi où ce qu'on devrait davantage reconnaître, une certaine sagesse, une certaine... En tout cas, il y a plus de liberté, assurément. Donc, moi, en tout cas, je vis cette première journée-là, je vous dirais, avec confiance, et un désir réel, profond, d'être encore plus en forme, en tout cas, ou comme je vous dis, là, de garder cette forme-là, et peut-être même plus en forme, en tout cas, plus en forme dans ma tête, plus sereine, plus sage. Et j'ai compte bien appliquer mes conseils pour être au top en 2024, mais je pense qu'il faut le voir comme une étape, la ménopause. Il faut faire un bilan, je pense, de comment on est. Est-ce qu'on est contente? Et c'est une grande étape. En tout cas, physiologiquement, c'est quelque chose de très puissant. Et je trouve qu'on l'associe beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les symptômes pas faciles qu'on a. Et oui, en post-ménopause, on peut parler de 4 à 5 ans encore de symptômes. Il y en a que ça dure plus longtemps, mais il y en a que ça diminue aussi. Et je pense qu'on doit le voir vraiment comme une nouvelle étape de vie. Puis, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, j'aimerais beaucoup, beaucoup vous lire par rapport à vous, comment vous le vivez. Et si ça vous a fait réfléchir, que vous avez apprécié cette vidéo, ben je vous demande de me faire un pouce, de vous abonner si vous avez le goût de vous entretenir, hein, d'avoir des conseils, des astuces si vous avez le goût. Je vous réponds, hein, j'essaie de toujours vous répondre. Je vous souhaite une super belle journée, de bien prendre soin de vous et ben, de connaître votre date si vous la connaissez pas, d'y réfléchir. Puis si c'est déjà passé, ben puis que vous le vivez pas mal, ben essayez de voir du positif là-dedans, parce que je pense qu'il y a du positif à passer à travers cette nouvelle étape-là. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.